Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, l'hiver approche et nous allons faire un paysage avec un arbre enneigé, un peu comme un arbre de vie, mais en pleine scène d'hiver. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. Vous recevrez une notification à chaque fois que j'en sortirai une nouvelle. En général, j'en sors tous les lundis pour un sujet plus classique et tous les jeudis pour un sujet plus abstrait. En attendant, à nos couteaux. Pour réaliser ce tableau, j'utilise une toile en petit format, c'est du 30 par 40. J'aurais pu utiliser du linge, j'ai utilisé du coton. Je l'ai enduite d'une couche fine d'acrylique blanche ou de gesso. J'ai séché au sèche-cheveux et je peux commencer. Il me restait sur ma palette un mélange avec du bleu de cobalt et du blanc ici pour faire un bleu clair. Et ici un mélange de gris de peine, de blanc, de cobalt et un petit peu de violet à peine. Donc ça c'est de la récup. Je rajoute juste du noir et de l'ombre brûlée. Et je vais venir faire mon fond, donc je prends ce gris bleuté que j'éclaircis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vais enduire la totalité de ma toile avec cette couleur. Je prends du blanc pur et je viens frotter un peu dans tous les sens pour avoir un fond brumeux, laiteux, un ciel de neige. Sur la partie basse, je viens travailler plutôt droit. Je grise un peu, à peu près au un tiers. Avec un crayon à papier, je viens tracer le corps d'un arbre. Je mélange mon ombre brûlée et mon noir. Et avec mon petit couteau, je vais remplir le corps de mon arbre. Avec un pinceau fin, je trace les branches.
Je prends un petit peu de blanc. Et un effleurant. Je lui donne un côté cylindrique. Avec un bout du plastique d'emballage qui servait à protéger ma toile, je pince et je tourne. Je reprends un peu de blanc. Et je viens finir de cristalliser mon arbre. Je trouve mon arbre trop large ici. Je viens donc le réduire. Pour cela, il me suffit de venir le raboter. Remettre un peu de la couleur du fond. Et mettre et remettre du blanc.
je peux, si je le souhaite, dans le lointain, rajouter un petit buisson cristallisé également. Je peux également, toujours avec du noir et de l'ombre brûlée, venir ajouter une petite barrière.
D'autres oiseaux dans le lointain finissent la scène. Pour équilibrer ma scène, je prends un pinceau éventail. Je le trempe dans mon mélange noir et ombre brûlée. Et je viens composer la base d'un buisson que je viens ouvrir avec un couteau. Petite astuce pour rendre votre tableau étincelant, je prends des paillettes argentées et très délicatement, je viens saupoudrer sur ma scène de manière quand même assez légère. Il ne faut pas faire des gros paquets. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime. Vous pouvez me laisser un message et vous pouvez vous abonner pour les notifications. En attendant, je vous souhaite une belle semaine. Restez au chaud. Je dis au revoir.